Afin d'être prêt pour les futures échéances continentales et internationales en boxe arabe, les Panthères du Gabon peaufinent les derniers réglages techniques de l'effectif dans un climat de sérénité. C'est dans une salle sportive digne des normes appropriées pour cette discipline sportive que les trois compétiteurs de l'Estuaire retenus pour cette grande messe des poings et pieds préparent ces énormes affiches. Tout ceci s'effectue sous le regard d'un encadreur dévoué à la tâche et convaincu du travail acharné de ses poulains. Seulement depuis facilement 2 mois, enfin 2 mois et demi, puisqu'on avait commencé par le tournant de la Russie qui a été reporté pour le mois de juillet. Donc là, on essaie de boucler le deuxième mois de préparation avec les gars. Le tempérament des gars est sans inquiétude. Maître Mayombo, vu qu'il s'agit de lui, a rassuré que ses poulains répondront présents à ces deux compétitions à venir. Les gars, ce sont les anciens de la compétition. Les gars qui ont boxé parmi dans les grands tournois, ils ont fait le championnat du monde avant, ils ont fait le championnat d'Afrique professionnel. C'est des gars habitués. C'est juste un entraînement qu'il faut et puis après, le reste. Du côté des poulains, tout semble bien se dérouler, comme le témoigne ce triple champion d'Afrique des moins de 57 kilos. On a préparé ce match avec ce qu'on a. Il faut retenir que pour cette compétition de boxe arabe en Guinée équatoriale, le Gabon aura droit à 6 places. 2 vont combattre dans la catégorie amateur et 4 en professionnel.